Je viens donc vous présenter les résultats d'un grand projet collectif qu'on mène depuis à peu près 2011, un peu avant sur la forêt d'Arganié, et qui implique une quarantaine de chercheurs et de doctorants. On a 4 doctorants dans la salle qui sont attachés à ce programme. Et c'est un programme qui n'est pas uniquement marocain, il est essentiellement marocain, mais il s'est aussi déroulé en France, sur la Méditerranée, donc en Corse, Languedoc, Ardèche, et il s'est déroulé aussi en Tunisie. Donc là, je vais vous parler essentiellement du Maroc, mais il y aura des petits échos de ces autres terrains. Voilà. Donc la notion de terroir, très vite, parce que c'est des choses que vous connaissez. Bon, on peut les remettre un peu au bout du jour. On a essayé de regarder les qualificatifs qui étaient attachés à cette notion de terroir, habituellement dans la littérature ou dans les représentations. Bon, c'est souvent des qualificatifs d'isolement, d'archaïsme, de sous-développement, pauvreté, etc. Des zones fragiles, des sociétés marginales. Et dans cette nouvelle reprise du terroir par les projets collectifs ou des politiques publiques, en particulier en Méditerranée, il y a une espèce de revitalisation et de réhabilitation du terroir. On essaye de transformer tous ces termes. Isolement, on essaye maintenant de faire que les terroirs soient connectés à une économie mondiale ou à une culture mondiale. Archaïsme, maintenant le terroir devient moderne, etc. Donc c'est une espèce d'inversion totale des perceptions et du contenu idéologique de ce terroir. Donc au Maroc, ces terroirs, entre guillemets, qui sont dans les arrière-pays, c'est encore 60% des exploitations agricoles, 80% de la population rurale. Et c'est aujourd'hui des espaces marginaux qui ont été marginalisés par l'histoire, mais qui ont été des centres, vraiment des centres politiques, des centres culturels dans l'histoire du Maroc. Là aussi, il y a eu une inversion historique. On va se demander si, à travers les politiques de terroir mises en place au Maroc et dans les pays voisins, ces zones qui ont été importantes, qui ont été marginalisées, sont en train de reprendre leur place sur une scène politique et culturelle plus globale. Alors, quelle recherche, quelle question s'est posée autour de ces terroirs ? Donc il y a, dans les pays du Sud, c'est pas uniquement autour de la Méditerranée, dans de nombreux pays du Sud, des dynamiques fortes autour de ces terroirs qui partent de volonté de redynamiser ces arrière-pays à travers des politiques relativement fortes qui visent la valorisation des produits locaux et le développement d'un tourisme un peu différent qu'on va appeler rural, l'écotourisme, l'écotourisme vert. Tous ces termes qui s'opposent au tourisme balnéaire sur le littoral. On va voir que dans toutes ces dynamiques, il y a une intervention très forte de l'État. Ce n'est pas des collectifs locaux qui s'emparent de leurs produits ou de leur territoire pour en faire quelque chose qui décide eux-mêmes. C'est l'État, à travers ses politiques publiques, ses projets, ses financements et toutes ces incitations, qui va essayer de mettre en place ce renouveau des terroirs et en particulier cette valorisation des produits de terroir. Donc on a eu une approche critique de ces politiques et de ces projets, essentiellement dominée par des analyses en sciences humaines et sociales, beaucoup de géographie, d'anthropologie, d'ethnosciences, de sociologie et d'économie, avec des suivis et des analyses de projets sur des produits particuliers ou des territoires particuliers, des suivis d'initiatives collectives, des suivis d'innovations en tout genre. Et on s'est toujours placé au croisement entre ces politiques publiques qu'on a un peu décortiquées. On n'est pas des politistes, mais on a quand même essayé de lire des textes pour comprendre ce que ces textes disaient et surtout ce qu'ils ne disaient pas. Et puis, on a énormément regardé ce qui se passait au niveau local et au niveau aussi bien traditionnel, au niveau des pratiques donc, qui produisent ces produits locaux, ou au niveau des projets mis en place à travers les politiques. Et donc, je vous parlais de cette comparaison entre le nord et le sud de la Méditerranée qui, pour nous, a été très importante et tout à fait fructueuse. L'interrogation qu'on avait tout autour de ce projet, c'est est-ce que c'est une hypothèse qui a été mise en place par les défenseurs du terroir, toutes ces politiques de terroir, ce développement du terroir, font de ces zones-là des laboratoires pour un développement un peu différent. Différent, ça veut dire on n'est pas dans le développement agricole, capitaliste, intensif, moderne, on est autre part,
Et est-ce qu'on a là un laboratoire d'innovation, de choses absolument extraordinaires qu'on va trouver, qui pourraient être un peu diffusées à l'ensemble du monde, à l'ensemble des pays un peu marginalisés, des arrière-pays. Alors très vite, pour ceux qui ne connaissent pas le Maroc, mais je pense que vous connaissez tous le Maroc, avant de parler des produits de terroir et des politiques de terroir, on s'est demandé est-ce qu'il y a des choses qui font sens comme terroir. Est-ce qu'on peut retrouver des terroirs? Alors d'abord, on s'est quand même basé sur une définition qui a été reprise, affûtée par l'INRA en 2007 justement, et qui fait du terroir non pas quelque chose d'archaïque, mais d'abord un espace géographique défini à partir d'une communauté humaine. Donc on a un territoire, on a un espace, on a une communauté humaine, on a une histoire, on a des savoirs, on a des pratiques, et on a aussi des ressources et des dynamiques du milieu naturel. Tout ça interagit, et tout ça a interagi dans l'histoire pour produire ces espaces particuliers, qui sont bien évidemment des espaces qui ne sont pas figés, qui sont des espaces vivants et a priori innovants. Donc là, on sort de toute cette vision traditionnaliste du terroir pour rentrer dans quelque chose de beaucoup plus dynamique et de beaucoup plus porté vers l'avenir. On est aussi dans une posture qui n'est plus agronomique ou biophysique, mais qui est résolument bioculturelle. On se place, on étudie beaucoup les interactions entre un milieu physique, des pratiques et des cultures. Et on est donc dans ce que je vous disais, dans cette vision dynamique. Alors au Maroc, à partir de cette définition, oui, on a des territoires ruraux qui sont relativement bien individualisés, qui sont issus d'une histoire longue. Cette histoire longue s'est construite à travers le rapport des sociétés à leurs ressources et à leur espace. Ça rentre à peu près dans la définition du terroir. Voilà. Et on a une diversité de situations, aussi bien naturelles que culturelles, qu'historiques. On a une diversité d'articulations entre l'agriculture et le pastoralisme, une diversité de cultures rurales. Donc tout ça fait un foisonnement de situations locales sur lesquelles on va trouver une diversité de produits, de races animales, de variétés culturales et de pratiques agro-pastorales. Jusqu'à présent, ces terroirs n'ont jamais été pris en compte par les politiques agricoles, parce que les politiques agricoles étaient entièrement dédiées au développement d'une grande agriculture exportatrice capitaliste, avec beaucoup d'investissements et un libéralisme assez effréné. Donc on va juste très vite passer quelques exemples, ça c'est pour la petite promenade, c'est la mise en bouche, il y a toujours un apéritif. Des terroirs de montagne. Alors les terroirs de montagne sont eux-mêmes sous-divisés en beaucoup d'unités particulières, mais il y a ces cultures irriguées de fond de vallée qui peuvent constituer des terroirs. Là, vous connaissez sans doute cette vallée des Aïd-Bougmès qui est très connue et qui est aujourd'hui le lieu d'un grand tourisme rural. Donc là, on a une vallée qui était céréalicole qui est en train de se transformer sous l'effet des politiques de terroir. Je peux insister là-dessus maintenant parce qu'on reviendra un peu sur la pomme. Mais il y a une politique incitative très forte du gouvernement marocain pour planter des pommiers dans les zones de montagne. Là, il y a eu l'introduction du pommier dans cette vallée des Aïd-Bougmès, qui est une vallée agro-pastorale avec culture de céréales en fond de vallée, des jardins de noyers et le pastoralisme sur les pentes avec des transhumances tout en haut des montagnes. C'est en train d'être complètement transformé par l'introduction du pommier. Qu'est-ce qui se passe? Il y a une vraie privatisation des parcelles à cause de l'investissement d'un pommier, mais il y a surtout l'introduction d'intrants et essentiellement des pesticides. Le pommier a du mal à pousser sans pesticides, surtout les variétés qui sont introduites là-bas, qui sont évidemment pas des bonnes pommes et pas des bonnes moustiques. Donc toute cette vallée qui était a priori une vallée en agriculture biologique est en train de se transformer en une vallée tout à fait polluée par les pesticides, et les gens évidemment boivent cette eau qui est elle-même polluée par les pesticides. Donc, un effet pervers de ces politiques de terroir qui ont poussé, on reviendra sur la pomme, qui ont poussé la culture du pommier, qui a des effets au niveau local assez délétères. Dans ces terroirs de montagne, il y a d'autres types de vallées, donc on est dans les régions plus sèches, ces vallées qui sont des vallées en oasis, et dans ces oasis, puisqu'on est dans les produits de terroir, et dans ces politiques de terroir, on mentionnera bien évidemment les dates, et il y a eu 5 indications géographiques protégées sur les différentes variétés de dates
au Maroc. Je ne reviendrai pas là-dessus. Dans ces terroirs de montagne, bon, j'assiste sur les montagnes parce que c'est là, c'est vraiment l'endroit des arrière-pays, l'endroit de ces zones où on va trouver des produits particuliers, des pratiques particulières. C'est évidemment sur les plantes, les cultures en terrasse. Les cultures en terrasse marocaines sont tout à fait remarquables, que ce soit dans l'anti-atlas comme ici. Donc là, on a des terrasses qui sont cultivées en orge et en amandier. Ces amandes ont fait l'objet aussi d'un dépôt, ont obtenu une indication géographique protégée, l'amande de Tafraout, dans l'anti-atlas. Et puis il y a ces terroirs de montagne. Alors, est-ce que c'est des terroirs? C'est des zones de transhumance gérées de façon très particulière. Là aussi, ça a été beaucoup, très bien décrit par des collègues à travers cette gestion de l'Agdal, gestion collective de haut pâturage avec des mises en défense très particulières. Là aussi, il y a sur certains lieux de transhumance, de pâturage d'altitude, des velléités de déposer des IGP sur des races de moutons, en particulier par exemple dans le Sirois. Avec cette race de mouton du Sirois qui est très particulière. Hein. Donc le Sirois, on est dans la zone de Talioïne, entre le Sousse et la région de Ouarzazate, et c'est surtout un mouton qui a une laine très particulière, très fine, avec laquelle on fait les plus beaux tapis du Maroc. Des terroirs encore en montagne, des terroirs très particuliers, qui sont des vrais terroirs agroforestiers, où là, l'arbre, c'est plus les parcours forestiers sur lesquels on amène les troupeaux, les arbres sont intégrés au champ. Là, vous avez un terroir de bocage à frênes. Et ces frênes sont plantées, bien évidemment, pour la production de fourrage foliaire pour les animaux, pour la production de perches et de bois de feu. Et vous voyez, toutes les haies qui entourent ces champs sont des haies de frênes, régulièrement trognées, régulièrement coupées. On a d'autres terroirs agroforestiers, ces terroirs à noyer dont j'ai parlé pour les Aït Boumez. Là, on est dans la vallée des Aït Boumli. Et là aussi, une IGP qui a été déposée sur la noix d'Azilal. Et puis, bon, ça, c'est un système sur lequel on a énormément travaillé. Ce qu'on a qualifié de forêt domestique, parce qu'on n'est pas du tout dans une forêt naturelle, à base d'arganier, qui produit donc l'huile d'argan, sur laquelle je reviendrai. Et puis voilà, pour la petite histoire, il y a des terroirs qui se sont construits entre autres autour de l'apiculture. Là, on est dans le Haut Atlas occidental, dans la région des Idaho-Tanan, qui est une région très réputée pour son miel et pour ses apiculteurs. Il y a eu une AOP déposée sur le miel de thym d'Imouzer Idaho-Tanan. Et la particularité de cette région, c'est d'avoir des ruchers collectifs. Donc le HLM que vous voyez là, c'est un HLM à abeilles. En été, au moment de la transhumance des ruches qui viennent de plus bas dans la vallée, les apiculteurs amènent leurs ruches, donc soit leurs ruches traditionnelles en roseau cylindrique, soit leurs ruches modernes, et les déposent dans ces HLM, dans ces cases, avec y a un gardien qui s'occupe de surveiller toutes ces ruches. Voilà, c'est un petit peu en perte de vitesse, non pas l'apiculture elle-même, mais le fonctionnement du rucher collectif. Il y a toujours cette production de miel, qui est un des miels les plus recherchés du Maroc, en tout cas le miel le plus cher, qui est le miel de thym des Idaho-Tanan. Alors on va voir un peu comment a émergé cet intérêt pour les produits de terroir dans les politiques publiques. Et ça, je vous parle du Maroc, mais c'est assez... On peut observer dans d'autres pays une émergence à peu près parallèle avec quelque chose de très volontariste sur le développement des produits de terroir. Vous avez là donc deux catalogues, un premier catalogue des produits de terroir du Maroc édité par le ministère de l'Agriculture. En 2011, c'était le premier, en 2014, et à chaque fois on fait le bilan pour voir qu'est-ce qui a été labellisé entre 2011 et 2014, je pense qu'il y en a eu un en 2017. Voilà. Donc il y a d'abord eu une loi sur les indications géographiques, on ne peut pas développer des produits de terroir labellisé sans loi. Donc le Maroc, avant de se lancer dans ses grands projets sur les produits de terroir, a introduit une loi sur les indications géographiques. C'était en 2007, me semble-t-il, ou 2006. Et puis une politique dédiée, c'est-à-dire que le Maroc, en 2007, a commencé à réfléchir à sa politique agricole globale, comment essayer de définir une vraie politique agricole. Il n'y avait pas de politique agricole en tant que telle. Et donc a fait une très grande politique agricole qui a été totalement... Le design était fait par un cabinet d'études américain,
McKinsey, donc, qui ont proposé au Maroc un développement à l'américaine de grandes cultures hautement capitalistes avec une grande consommation d'intrants. Et puis, bon, il y a d'autres acteurs, aussi bien marocains qu'étrangers, dans les coopérations internationales, qui ont dit, mais ça ne suffit pas, hein. Toutes vos zones de montagne, vous n'arriverez pas à les développer à travers cette politique-là. Vous ne pouvez pas les ignorer, comme j'ai dit, 80% de la population rurale. Donc il faut faire quelque chose. Donc ben, on a fait, comme on a fait en Europe, le pilier 2, qui est pour ces zones de montagne, et le pilier 2 s'intitule « Développement solidaire de la petite agriculture ». Et ce développement solidaire de la petite agriculture passe, entre autres, pas exclusivement, mais de façon massive quand même, par le développement, la valorisation des produits de terroir. Qu'est-ce qu'il s'agissait de faire? Il s'agissait d'identifier quels produits étaient susceptibles d'être valorisés et labellisés. On n'a pas demandé aux collectifs locaux, région par région, ou petite vallée par petite vallée, on leur a pas demandé qu'est-ce que vous avez envie de développer. On était à Rabat, au ministère de l'Agriculture, avec des gens qui venaient, qui travaillaient au ministère, qui venaient un peu de toutes les régions, qui se sont dit, voyons, qu'est-ce qu'on a, qu'est-ce qui est connu. Et on a fait, région par région, des inventaires, mais ça a été fait donc par les ingénieurs du ministère et par les délégations provinciales de l'agriculture. Donc une démarche d'inventaire où il y a eu dans plus de 100 produits de terroir qui ont été identifiés, on a fait une liste. Il y a eu des groupements de producteurs identifiés où on a fait des recommandations pour développer ces groupements de producteurs. Et on s'est dit, ben voilà, la première année on va en faire 3, la deuxième année on va faire 5, après on va faire 10, on va en faire 30. Et c'est des espèces de planification, de développement de cette labellisation et de ce montage de la valorisation des produits de terroir. Donc on est très clairement dans une démarche tout à fait descendante. Alors, on reviendra sur les grands outils de cette politique de terroir. Quelques investissements, évidemment, pas énormément, mais le grand truc du développement des produits de terroir, c'est les coopératives. C'est pas des associations, c'est pas des producteurs individuels, c'est des coopératives. Si on veut être financé pour produire du miel, pour produire de la pomme, pour produire des noix, il faut se mettre en coopérative. Et ces coopératives sont, celles qui ont été soutenues, mises en avant, sont essentiellement des coopératives féminines. C'est bien, on est dans une, entre guillemets, action collective, et puis on participe, entre guillemets, au développement de la femme. Toutes les instances internationales sont contentes, il n'y a rien à. Ça passe aussi par la structuration, le développement ou la restructuration des filières. Là, on n'est pas dans des politiques de territoire, on n'est pas dans un développement territorial. Je pense que vous connaissez ce gros mot aussi. On est vraiment dans une politique de filière très classique en agriculture. Là, on ne va pas développer des agrumes intensifs, on va développer des noix, de l'huile d'argan, etc. Et puis, il y a quelque chose qui est aussi très prégnant dans cette politique du pilier 2 du plan Maroc vert, c'est cette notion d'agrégateur. Donc on part de l'idée qu'il n'y a pas de capacité suffisante d'investissement dans les arrière-pays, ni d'organisation, soit pour la récolte, enfin le groupement de la récolte, soit pour la transformation, soit pour la commercialisation. Donc on va faire appel à ce qu'on appelle des agrégateurs, qui peuvent être des notables locaux ou des gens qui ont un peu d'initiative et qui ont surtout du capital à investir. Ça peut être aussi, et c'est là où ça commence, la perversion de ce plan, de ce pilier 2 arrive, c'est des investisseurs extérieurs. Mais cette notion d'agrégateur, c'est-à-dire quelqu'un qui a des capacités intellectuelles, sociales et financières pour agréger autour de lui des producteurs. On verra, est-ce que ces producteurs sont, si c'est dans des coopératives, est-ce que c'est vraiment des coopérants? Est-ce que tout le monde était traité au même niveau? Ou est-ce que ces producteurs vont finalement devenir des fournisseurs de matières premières pour les agrégateurs? On va le voir aussi sur les exemples. Donc, dans ces instruments du développement des produits de terroir, il y a la mise en place de foires rurales, de foires agricoles dédiées. Donc souvent d'anciens moussènes, d'anciens fêtes patronales qui ont été reconverties en festival de l'amandier, festival de la noix, festival des cerises, festival de la rose, salon des dattes, etc. Et maintenant, chaque petite région veut avoir son festival. Il y a 2 ans, il y a une région qui n'est absolument pas ni arrière-pays ni rien, qui a dit « moi je veux faire mon festival de la fraise ».
La fraise, vous connaissez la fraise du Maroc, vous savez comment elle est cultivée, dans des serres avec énormément d'intrants. Il fallait un festival de la fraise qui devenait du coup un produit de terroir. Je ne vous conseille pas de croquer dans les fraises du Maroc, hein. Il y a tout sauf de la fraise dedans. Voilà. Et puis beaucoup d'opérations de communication. Donc des boutiques de terroir qui sont toujours très jolies, des sites internet comme celui-là, les guides des bons produits. Donc on a l'impression qu'on fait ça beaucoup pour l'extérieur. Bon, on fait ça aussi pour qu'il y ait des gens qui achètent un peu, mais c'est une grande mise en scène des produits de terroir. Voilà, ça c'est une autre façon. Un annuaire des producteurs et des professionnels du terroir. Qu'est-ce que c'est qu'un professionnel du terroir? C'est tout sauf un agriculteur, hein. Voilà, le professionnel du terroir. C'est ces gens qui... C'est entre autres ces agrégateurs qui vont porter la renommée des produits de terroir marocains bien au-delà des terroirs et parfois des frontières du Maroc. Alors, quelques coups de projecteur. Voilà, on va regarder l'huile d'argan. Je vais essayer de m'étendre un peu, mais c'est vraiment un exemple phare. Le safran de Tallywin, la fameuse pomme, le fromage. Donc, tout ça sont des appellations. Hein, l'huile d'argan est en IGP, le safran en AOP, donc appellation d'origine protégée. On va voir tout ça. L'huile d'argan, je ne sais pas s'il faut vraiment que je vous explique ce que c'est. L'huile d'argan, je pense que vous en avez tous entendu parler. Vous devez savoir que ça vient d'un arbre qui s'appelle l'arganier, qui est un arbre qui pousse dans le sud-ouest marocain. Donc en gros, de la côte atlantique jusqu'à, vers les montagnes, jusqu'à 1000-1200 mètres d'altitude, et qui s'étend la limite nord, c'est Essaouira. La limite sud, on ne sait pas bien où elle s'arrête, on va dire Guelmim, donc en bordure du Sahara, même si on trouve des arganiers encore au fond des Oueds, dans le Sahara. Donc ça a été sans doute beaucoup plus étendu. La zone de l'arganier couvre 2,5 millions d'hectares. C'est énorme. L'arganerie elle-même, là où il y a des arbres, on estime ça à 700-800 000 hectares. Donc c'est un gros machin. C'est vraiment une composante majeure de ce territoire. Très bel arbre. Donc on appelle ça la forêt d'arganier. On dit que la forêt d'arganier est en danger à cause des pratiques agro-pastorales, que donc les habitants de l'arganerie ne savent pas maintenir les arganiers, et on montre ça en disant, regardez, ce bel arganier, quand même, il est en danger, il faut le protéger. On remarquera que ce bel arganier, il est dans un champ de céréales, donc les paysans sont là depuis un certain temps, qu'ils ne l'ont pas coupé, qu'a priori, ils l'ont plutôt bien traité pour qu'il soit dans cet état-là. Et on s'est aperçu, on a fait beaucoup d'études sur les pratiques dans l'arganerie, et on s'est aperçu que, par exemple, pour avoir un arbre comme ça, à partir d'un petit semis, il fallait le travailler profondément, parce que sinon, on avait au mieux un arbre multicôle, c'est-à-dire avec plusieurs troncs, au pire quelque chose d'assez buissonnant. Ça, et c'est vrai pour d'autres arbres, c'est vrai pour l'acacia dans le Sahara, on coupe les rejets, on coupe les branches, on sélectionne une tige pour arriver à faire ce qui ressemble effectivement à un arbre, un tronc et un pied. Ces pratiques-là, quand on interroge les paysans, ils disent « j'éduque l'arbre, je l'éduque en arbre ». Donc c'est tout un territoire avec des pratiques sur l'arbre très particulières, très fines, totalement ignorées par les gens qui ont fait la promotion de l'huile d'argan. C'est une interaction très fine et très intéressante entre l'homme et la forêt, c'est pour ça qu'on a qualifié ça de forêt domestique. Il y a aussi des espaces pastoraux où les arbres sont traités de façon différente, mais c'est vraiment un espace agro-silvo-pastoral qu'on préfère appeler forêt domestique parce que c'est quand même plus joli. Donc voilà, l'huile d'argan s'est faite à partir des noix produites par cet arbre, l'arganier, donc collecte des noix en été par les hommes et par les femmes, et puis toute l'opération de traitement des noix d'argan, qui est plutôt une suite d'opérations féminines. L'étape la plus fastidieuse, on va dire, étant le concassage des noix. Le décorticage, ça va à peu près, avant c'est les chèvres qui s'en chargeaient. Les noix d'argan étaient ingérées par les chèvres, qui régurgitaient, non pas par le derrière, mais par devant, ces noix d'argan décortiquées. Donc elles avalaient la pulpe, elles rejetaient le noyau, décortiquage, donc absolument sans peine pour les femmes qui utilisaient ces noix. Maintenant, avec la valorisation de l'huile d'argan, on a dit non, ça donne un goût. Bon, voilà, ça donne un goût, paraît-il, mais c'est pas, à mon avis, c'est pas ça qui donne un goût. Mais donc, on ramasse les noix, donc il faut les décortiquer, il y a des décortiqueuses. Mais par contre,
concasser la noix d'argan, c'est très compliqué. Pour la simple raison qu'il y a des toutes petites noix, il y a des très grosses noix, il y en a qui se cassent facilement, il y en a qui sont très dures à casser. Donc c'est compliqué de concevoir une machine, en tout cas pour moi qui ne suis pas du tout ingénieur, qui va s'occuper de toutes ces noix. Bon, les grosses, les petites, on peut trier, mais celles qui sont dures et celles qui ne sont pas dures, on ne sait pas a priori. Donc soit on va les écraser, soit on ne va pas réussir à les concasser. Donc c'est une opération féminine. C'est la seule opération aujourd'hui qui est pratiquée à la main par les femmes. On a enlevé aux femmes qui faisaient toute la chaîne, donc concassage, on grillait les amandes d'argan, et puis là, on commençait à les écraser. Et en malaxant cette pâte, en rajoutant éventuellement de l'eau chaude, on obtenait l'huile d'argan. Tout ça a été fait à la main par les femmes. Aujourd'hui, à part l'étape de concassage, toutes les autres étapes sont mécanisées. Il y a des presses à huile, donc ce ne sont plus les femmes qui s'en occupent, mais comme on a établi, on va le voir, beaucoup de coopératives féminines d'huile d'argan, c'est quand même, la femme est l'emblème de cette huile d'argan, et l'emblème du développement de l'huile d'argan, développement solidaire, c'était bien le développement de la femme et la mise en valeur des savoirs féminins. Bon, donc on en arrive à cette espèce de paradoxe qui n'en est pas forcément un, où les femmes ont été totalement dépossédées de leur savoir-faire sur tout le processus de fabrication de l'huile d'argan et on les garde pour concasser les noix, casser les noix toute la journée. Ça s'appelle le développement de la femme. Voilà. On est venu une fois avec un médecin dans une de ces coopératives. Quand les femmes ont su qu'il y avait un médecin, elles l'ont tout appelé en domaine. On fait comment ? Regardez nos mains. Les mains étaient complètement déformées par l'arthrite, parce que toute la journée, le même geste, et effectivement, les mains complètement, des articulations complètement inflammées, justement par ce travail qui était censé développer leur savoir-faire. L'Ipergan est la première IGP, indication géographique protégée, du continent africain. Les Marocains en sont très fiers, bon, effectivement, c'est une belle réussite. Et c'est l'emblème, c'est le premier, c'est la tête de file de ces indications géographiques au Maroc. Est-ce qu'on fait des cosmétiques avec l'huile d'argan ? C'était au départ vanté comme une huile plutôt alimentaire. L'huile traditionnelle est une huile alimentaire qu'on peut se passer sur la peau. Ça sent la noisette, après ça peut attirer les écureuils, mais on ne peut pas mettre ça dans des crèmes. Il y a toute une filière qui s'est développée sur l'huile cosmétique qui a un traitement un peu différent de l'huile traditionnelle. C'est-à-dire qu'on ne grille plus les amandes. Donc c'est vrai que pour ça, il fallait des grosses machines capables de broyer des amandes non grillées, d'extraire de l'huile d'amandes non grillées. Donc, tout le monde s'est intéressé à l'huile d'argan pour mettre dans des crèmes, des shampoings. Et essor indéniable de cette filière, c'est devenu une des principales filières de ces produits de terroir au Maroc. Ça fait vivre énormément de personnes, ça rapporte beaucoup d'argent, très peu aux productrices, très peu aux coopératrices, beaucoup aux industriels de la cosmétique et à tous ceux qui se sont mis comme intermédiaires sur le marché, et en particulier les collecteurs de noix d'argan, qui sont maintenant les vrais intermédiaires entre les paysans qui vont produire et ramasser la noix d'argan, et puis les industriels de Casa, de Rabat ou du monde entier, qui vont dire, nous, il nous faut soit des noix d'argan, soit des amandes. Donc là, il y a des intermédiaires qui sont intervenus. Donc une filière qui s'est complexifiée et dont la valeur ajoutée est assez bien répartie vers le haut de la chaîne. Je ne sais pas si c'est le haut ou le bas, mais en tout cas en aval, très mal répartie en amont. Aujourd'hui, on a un marché très globalisé des noix d'argan, depuis Essaouira jusqu'au Sahara. Il y a des collecteurs de noix qui sont connus pour collecter des bonnes, entre guillemets, des bonnes noix, c'est-à-dire pas des noix pourries, des noix qui sont plutôt fraîches. Mais on se fiche d'où elles viennent. Donc dans un lot de noix d'argan, il peut y avoir des noix qui viennent d'une vallée au sud des Sawira, il peut y avoir des noix qui viennent du pays Adbamran dans l'anti-Atlas, tout ça est mélangé. Où est le terroir là-dedans quand on est obligé de faire 300 km, que dans un même lot et donc dans une même huile, on va avoir des noix qui coexistent à 300 km de distance. Ou alors on a un terroir qui fait 300 km de long. On a bien vu que l'Arganeraie, cette forêt d'Arganier, était constituée de différents terroirs où les pratiques sont différentes, où l'articulation agro-pastorale est différente, où les qualités des noix, les variétés des noix sont différentes et où les savoirs des femmes sur ces variétés et la façon de les traiter sont différentes. Tout ça est aujourd'hui totalement effacé. C'est quand même vendu comme le produit du terroir du sud-ouest marocain. Une dépossession des ménages, on l'a dit, c'est aujourd'hui les intermédiaires qui ont le rôle principal dans la filière.
et puis quelques coopératives qui restent là, hein, essentiellement pour faire joli, puis pour rester dans l'esprit du début, hein, avec toujours ces femmes qui concassent les noix d'argan. Et voilà ce que deviennent les coopératives aujourd'hui. C'est des vitrines pour les cosmétiques. Donc les coopératives sont toujours associées à un fabricant de cosmétiques ou un importateur de cosmétiques. Ça, c'est très compliqué d'aller fouiller ce qu'il y a derrière. Et puis, une mise en scène de la fabrication de l'huile d'argan à la façon traditionnelle. On invite les touristes non seulement à voir le processus de fabrication de l'huile d'argan, qui n'est pas du tout celui qui existe dans le produit qu'ils vont acheter, mais on met ça en scène. Et on les invite aussi à participer. On dit non, mais venez, tournez le moulin, vous allez voir comme c'est difficile, pendant que monsieur prend la photo. Et donc, une véritable mise en scène pour les touristes. Et les touristes, évidemment, veulent voir une coopérative d'huile d'argan. À tel point que ceux qui viennent 3-4 jours à Marrakech, qui n'ont pas le temps, parce que c'est malgré tout assez loin, d'aller à Essaouira, mais on leur a amené les coopératives sur place. Donc, dans la vallée de l'Ourika, qui est la vallée la plus touristique de Marrakech, on a fait un inventaire en 2009, il y avait 3 coopératives d'huile d'argan, aujourd'hui il y en a 15 ou 20. Donc c'est des filiales de ces gens qui sont à Khazar ou à Agadir, fabricants de cosmétiques, qui ouvrent une coopérative sur la route des Essaouira et une coopérative dans la vallée de l'Ourika. Avec ce même processus mis en scène, on vous explique tout. Hein. On vous dit aussi que l'argani ne pousse pas vraiment là, donc on n'est pas dans de la véritable du prix, mais voilà. On est dans la folklorisation totale des femmes et dans la prolétarisation des femmes qui, puisqu'on est dans un statut coopératif, elles sont payées à la tâche, elles n'ont pas de salaire. Et donc c'est beaucoup plus intéressant pour un industriel de monter une coopérative dans laquelle il va faire travailler des femmes qu'il va rémunérer à la tâche que de monter une compagnie qui va devoir inscrire au registre du commerce, pour laquelle il va devoir payer des impôts, pour laquelle il y a quand même des droits sociaux pour les femmes, salaire minimum, sécurité sociale, etc., etc. Beaucoup moins cher de monter une coopérative. Donc la plupart de ces industriels qui veulent écouler leurs produits sur place ou qui veulent fabriquer, qui veulent concasser leurs noix sur place, montent des coopératives. Ça ne coûte pas cher. Développement solidaire de la petite agriculture. Voilà, là on est Safran Tadiouine, c'est pour parler un peu de cette articulation entre le produit terroir et le tourisme rural. Ça c'est quelque chose qui a été énormément mis en avant dans ce pilier 2 du plan Maroc Vert. Bah, le développement des produits terroir et le tourisme rural, forcément ça va ensemble, puisqu'on fait venir des touristes qui vont avoir envie d'acheter des produits locaux, donc on va leur faire des coopératives où ils pourront acheter leurs produits locaux, et puis comme ça, les produits terroir, on pourra les écouler dans les petites boutiques et dans les coopératives du coin. Donc, et dans cette région du safran, c'est deux développements, le développement de la filière safran, la labellisation du safran et le tourisme rural ont été pensés à peu près dans le même temps et par les mêmes ONG. Là, c'était avec une vraie volonté quand même de meilleure répartition des bénéfices. Hein. Tout n'est pas aussi caricatural que l'huile d'argan. Au début, en tout cas, dans cette mise en place de la filière safran, il y avait une volonté de mieux organiser les producteurs pour qu'ils soient mieux rémunérés, que le produit soit meilleur et se vende mieux. Alors, une valorisation progressive du safran à travers ce festival international du safran, à travers cette mise en place de diverses coopératives qu'on a essayé d'agréger dans une même structure, et puis des vendeurs, avec une arrivée là aussi d'investisseurs privés, une fois que la réputation du safran de Tadiouine était établie. Mais avec, je pense que c'était le PNUD qui avait payé ça au début, une aide à la mise en place de maisons d'hôtes dans toute cette région du safran. La définition de ce qu'on appelait un pays du safran, dans l'optique de faire des pays d'accueil touristique, comme il pouvait y avoir, on est là aussi, hein, dans le transfert de concepts. Donc pas mal d'efforts faits au niveau d'un tourisme qui serait rural, solidaire, autour du safran dans cette région de Tadiouine. Et puis, donc ça a plus ou moins marché, il y a des structures qui marchent bien, d'autres qui marchent moins bien, il y en a qui font du tourisme solidaire, d'autres pas du tout. Et puis bon, il n'y a pas énormément de touristes, le safran c'est au mois de novembre, si on veut regarder la récolte et le tri du safran, en général il fait un peu froid au mois de novembre à Tadiouine, enfin c'est pas la meilleure époque. Et puis pour écouler le produit auprès des touristes de passage, là on n'est plus dans du tourisme solidaire,
la Maison du Safran, qui a été édifiée il y a 2-3 ans, qui vend la production de diverses coopératives, qui a réussi à démarcher des tours opérateurs à Marrakech. Et là, il y a aujourd'hui des touristes, des bus de touristes, des minibus de touristes qui passent, qui s'arrêtent à la Maison du Safran. Là aussi, toute une mise en scène. Donc on a toute une très belle maison, architecture traditionnelle, façon un peu casse-bas. On accueille les touristes, on leur fait boire un thé, non pas à la menthe, mais au safran. On leur montre un peu, on leur explique le safran, et puis après ils passent évidemment devant les boutiques et ils passent à la caisse. Donc ça permet, là il y a une vraie liaison entre produits de terroir et tourisme qui permet d'écouler une bonne partie du safran de Tallouine, parce que sur des marchés internationaux il n'est pas du tout concurrentiel. Il est très bon, c'est vrai, mais si on veut l'acheter sur des marchés à Marrakech, là on est sûr à 90% de tomber sur du faux. C'est ça aussi un des problèmes des produits de terroir, mais c'est vrai aussi chez nous, même s'il y a beaucoup plus de contrôle, c'est toute l'industrie du faux qui peut aller avec, et pour le safran c'est particulier, des barbes de maïs trempées dans du colorant, ça fait du safran. Voilà. Alors le fromage de Chef Chaouen, vous voyez là il y a une indication géographique IGP, fromage de chèvre Chef Chaouen. Ce fromage de chèvre, c'est un jben. Un jben, c'est du fromage frais qui est issu de la traite journalière. On traite, alors ça peut être de la vache, de la chèvre, plus rarement du mouton, de la brebis. Mais voilà, la traite du matin est caillée, et traditionnellement dans le Rif, on allait vendre ce caillé sur les marchés, en particulier à Chef Chaouen. Donc c'était relativement connu. Donc c'est rentré dans la fameuse liste des 100 produits de terroir, dans les tiroirs du ministère de l'Agriculture. Ils se sont dit, il faut qu'on fasse quelque chose pour le jben de Chef Chaouen, parce que bah, sur le Rif, le produit de terroir que tout le monde connaît, c'est la marijuana. Donc il fallait quand même détourner un petit peu l'attention de ce produit de terroir, qui est le produit de terroir massif, c'est le produit du Rif. Donc on s'est dit, bah, on va faire du fromage de chèvre. Voilà. Donc, et là, il y a eu le paquet qui a été mis sur la mise en filière et la mise en label de ce jben. Mais là, comme c'était des petits producteurs qui allaient dans la montagne, tout à fait illettrés, le ministère de l'Agriculture a demandé à l'ANOC, c'est-à-dire l'Association Nationale au Vin Caprin, c'est les professionnels et les techniciens des maisons de l'agriculture, qui sont des gens plutôt formés à une modernisation de l'élevage caprin et ovin, qu'à une valorisation des pratiques traditionnelles. Donc l'ANOC a dit, pas de problème, on s'occupe de ça. Donc on va aller regarder ce que c'est que ce fromage. Ah oui, c'est du fromage qui est fait dans les maisons, à partir de la traite du matin, qui est égoutté dans des espèces de dégouttoirs en fibres. Bon, l'hygiène, voilà, c'est de l'hygiène du bled. Donc ils se sont dit, ben, le lait n'est pas pasteurisé, bien évidemment. C'est fait à la main, c'est égoutté dans des égouttoirs qui ne sont pas lavés tous les jours à l'eau de Javel. Problème, si jamais il y a une bactérie qui se développe là-dedans, donc on fait une laiterie. Donc on fait une laiterie, qui veut apporte à la laiterie, le lait est immédiatement pasteurisé, caillé. Nous, on a visité la laiterie, hein, c'est une chambre stérile, c'est-à-dire qu'on arrive et à 5 mètres de la porte, on vous fait enfiler des petites chaussures, on vous met une petite blouse et un machin sur la tête, et on vous fait passer 3 sas dans lesquels vous êtes obligé de vous laver les pieds. C'est vraiment, j'ai jamais vu une fromagerie comme ça en France, en tout cas, celles que je connais ne sont pas comme ça, peut-être les industriels sont comme ça, et ils se disent, bah, effectivement, on rate plein de fromages. Bon, c'est pas tout à fait étonnant, mais voilà, une pasteurisation, une hantise du microbe, et donc une fromagerie complètement aux normes européennes. Et puis bon, ben, pour ces apporteurs, il fallait trouver des apporteurs. Les petits bergers de la montagne, ils ne sont pas assez nombreux. Il faut aller à la fromagerie qui est un peu loin de Chef Chaouen. Bref, un peu compliqué. Et puis ils se sont dit, bon, ça ne produit pas beaucoup, les chèvres dans la montagne. Et puis surtout, ça produit 5 mois par an. Donc comment on va faire pour avoir du jben toute l'année maintenant qu'on a une IGP? Donc, élevage intensif. Donc ils ont importé des races, en particulier, pas beaucoup de Saint-Anel, mais des Alpines chamoisées et des races d'Espagne, parce que là, ça produit. Puis ils se sont dit, mais qu'est-ce qu'on en fait de nos chèvres? Parce que si on les met dans la montagne, les Alpines chamoisées, malgré leur nom d'Alpine, elles ne savent pas marcher dans la montagne. Donc vous les mettez deux jours dans la montagne, elles ont les pattes cassées, elles font plus de lait, elles sont malades. Donc, bah, il fallait les garder en stabulation. Bah, si on les garde en stabulation, il faut apporter.
de la nourriture. Et pour qu'elle produise, il faut apporter du complément. Donc culture de luzerne, apport de céréales concentrées. Voilà, on est dans un élevage typique qui, hors sol, qui pourrait avoir lieu n'importe où. Et donc ce jben de Chef Chaouen, produit de terroir, est fait avec des races importées, du lait de chèvres qui vont manger de la nourriture produite peut-être localement, peut-être pas localement, et dans une fromagerie entièrement stérile. Sauf que comme l'appellation a été déposée, les producteurs de la montagne, ils n'ont plus le droit de vendre leur fromage frais sous le nom de jben de Chef Chaouen, c'est de l'usurpation. Voilà. Donc on a ces deux filières, la filière traditionnelle avec toujours des producteurs qui vendent sur le marché, et puis cette filière de la laiterie qui vend plutôt sur les supermarchés, avec quelque chose d'assez étonnant malgré tout, parce que c'est une laiterie qu'on a qualifiée de terroir, qui donc doit faire du produit terroir. Donc on les a convaincus qu'il fallait stériliser les éloulettes, tout ça, mais après, ils se sont dit, on fait du produit de terroir, donc on ne va pas rajouter de conservateurs, de colorants, de tout ça. Donc il faut qu'il y ait une chaîne du froid absolument respectée. En Maroc, la chaîne du froid n'est pas tellement respectée. Donc entre le moment où les produits quittent la fromagerie, bon, il n'y a pas que du jben, il y a des yaourts, et le moment où ils arrivent sur les supermarchés, et le moment où ils arrivent dans les réfrigérateurs des consommateurs, ça se dégrade. Il y a des bactéries qui se développent. Et la présidente de la laiterie nous a dit, mais c'est embêtant, moi je fais du produit de terroir, donc je ne vais pas rajouter des conservateurs, etc. Mais les gens ne savent pas traiter un produit de terroir, parce qu'ils rompent la chaîne du froid, donc ils reviennent en disant, votre fromage il est pourri. Voilà. Ah oui, le fromage il est pourri. Il y a un gros problème sur toute cette filière, et puis la limite entre qu'est-ce que c'est qu'un produit de terroir, qu'est-ce que c'est qu'un produit industriel, ou semi-industriel. Donc j'ai mis la pomme, parce que ça c'est tout à fait intéressant. La pomme de Midelt. Donc là, on a encore une IGP, pomme de Midelt. La pomme n'est pas vraiment une culture traditionnelle dans les atlas. C'est une culture qui avait été introduite, enfin, en tout cas renforcée sous le protectorat par des investisseurs, par des colons. Hein. Et puis, qui a peu à peu, s'est un peu à peu installé dans les vallées du Haut Atlas et du Moyen Atlas. Puis bon, pas grand-chose. Et puis à un moment, il y a eu cette idée de moderniser ce verger de pommiers, et cette modernisation qui a commencé avant le pilier 2 a été extrêmement renforcée par ces politiques du pilier 2, parce qu'ils se sont dit, mais c'est une pomme de montagne, produit de terroir. Donc les pommes du Haut Atlas marocain, c'est deux variétés, les trois, et c'est essentiellement la Golden et la Star King, là, la petite rouge que vous voyez. Ce n'est pas vraiment des variétés traditionnelles, et ce n'est surtout pas les meilleures. La Golden du Maroc, elle est absolument infâme. Déjà ici, elle n'est pas très bonne, mais là, elle est encore pire. Donc, tout est basé sur ces deux variétés, qui sont des variétés qui ont besoin, de vitamines, parce que ça ne marche pas. Ce n'est pas des variétés rustiques, donc il leur faut des engrais, donc il leur faut des traitements phytosanitaires, parce que sinon, ça ne produit pas. Donc, on a une pomme qui n'est pas bonne, très clairement. Et comme elle est dans toute cette région du Haut Atlas et du Moyen Atlas, mais le centre, un des centres de la culture, c'est Midelt, donc vraiment dans le Haut Atlas oriental, à la limite du Moyen Atlas. Donc Midelt, c'est la pomme, mais c'est l'industrie de la pomme. Il y a des espèces d'énormes hangars à pommes. Donc ils se sont dit, puisque Midelt, c'est la pomme, on va déposer une IGP, pomme de Midelt. Donc, encore une fois, le ministère ou la délégation provinciale a essayé de prendre quelques producteurs en leur disant débrouillez-vous, on vous aide à développer cette IGP. Les personnes en question étaient assez convaincues, ils se sont dit mais on ne peut pas faire une IGP, il faut aussi qu'on travaille sur des bonnes pratiques. Donc on va essayer de convaincre les personnes qui veulent aller avec l'IGP, dans l'IGP, rentrer dans l'IGP, d'utiliser moins de produits phytosanitaires. Bon, ils n'y sont pas trop arrivés, mais ceux-là étaient convaincus. Donc un dépôt de cette appellation, IGP pomme de Midelt, totalement invisible. Les producteurs ne connaissent pas. Sur les marchés, on ne la trouve pas. Jamais. On ne va jamais, sur un marché, trouver une pomme. Hein. Évidemment pas dans des boutiques de terroir, parce qu'elle est juste infâme, cette pomme, donc on ne va pas trouver ces pommes-là. Et donc c'est une IGP qui est, je ne sais pas, il fallait peut-être donner quelque chose au Haut Atlas oriental en termes de produits de terroir. Elle ne sert à rien. Elle est totalement invisible.
mais elle sert par contre au développement des vergers de pommiers. Et le développement des vergers de pommiers, c'est ça demande, en tout cas les producteurs ont pris l'habitude d'avoir des aides de l'État, mais pour avoir des aides de l'État, il faut, je vous l'ai dit, se mettre en coopérative. Et là, l'État dit, je veux bien vous donner, en particulier vous installer des hangars pour stocker les pommes, des hangars réfrigérés, à condition que ce ne soit pas sur les vergers que vous avez déjà, mais que ce soit sur des nouveaux vergers. Ils disent, mais on les met où, nos nouveaux vergers? Parce que nous, dans nos vallées, on a nos petits vergers de pommiers, on a nos champs pour l'orge. Ils ont dit, toutes les terres de parcours, là. Donc, imposition du pommier sur les terres de parcours, avec forage, goutte à goutte. Et là, ils se disent, mais les terres de parcours, c'est de la gestion collective, si on met des pommiers dessus. Ben oui, mais puisque vous êtes une coopérative, pas de problème, vous allez gérer ça en commun. Ça ne marche pas. Et puis arrivent les investisseurs, parce que les investisseurs de Casa, de Rabat, ont bien compris que sur des grandes surfaces, ils pouvaient faire de l'argent avec des pommes, même si elle n'est pas bonne. Et donc, on leur dit, mais regardez, installez-vous, il y a plein de place. Donc, arrivée des investisseurs privés, urbains, sur des terres collectives, des terres de parcours qui sont de fait privatisées, qui sont données à beau emphytéotique à ces investisseurs. Donc là, non seulement on a la mise en place d'une culture, d'un produit de terroir qui n'est pas très bon, qui va complètement, je vous l'ai dit pour la vallée des Aïdboukmez, polluer les nappes phréatiques, parce que l'utilisation d'intrants, elle est majeure, mais est absolument inconsidérée. Mais aussi, donc troisième conséquence, la privatisation des terres collectives. La pomme qui s'est répandue aussi dans toutes les vallées derrière Marrakech, donc toute l'eau est détournée maintenant pour irriguer les pommiers. Les pommiers consomment beaucoup plus d'eau que les céréales qui étaient avant, donc déjà une captation de l'eau majeure alors qu'il y a de moins en moins d'eau, et puis cette eau qui va s'infiltrer après, elle s'infiltre avec tous les pesticides. Et c'est ça qu'on boit. Donc le problème des pesticides au Maroc est majeur, y compris dans ces zones de montagne où a priori on se dit non mais c'est plutôt sain comme environnement et comme agriculture. Les investisseurs qui veulent faire de la pomme donc peuvent aller emprunter au Crédit Agricole. Et on leur dit, vous avez combien d'hectares? Moins de 5 hectares, vous empruntez à 20%. Plus de 5 hectares, vous empruntez à 5%. Voilà. Justice sociale, ça s'appelle, hein? Ce terroir, on voit bien aujourd'hui au Maroc que c'est employé à tout bout de champ pour des tas de choses qui n'ont rien à voir l'une avec l'autre. À Agadir, il y a un restaurant qui s'appelle Le Terroir. Gastronomie française, voilà, par exemple. Et puis c'est employé pour la pomme, et puis c'est employé pour plein d'autres. Mais voilà, très adopté par tous ces acteurs, avec des sens très différents donnés par les uns et par les autres. On fait l'inventaire un peu de tout ce à quoi le terroir peut servir. Ben d'abord, comme une catégorie analytique. Et cette catégorie analytique va être appliquée à certains espaces ruraux. Les espaces qui sont des terroirs, parce qu'ils ont des produits qui vont pouvoir se développer en produits de terroir, et puis d'autres n'en ont pas. Donc là, on qualifie et on disqualifie par défaut. Une nouvelle catégorie d'action publique pour le développement agricole et rural, c'est terriblement vrai dans les pays du Sud. Ça n'existait pas avant. Aujourd'hui, on peut aller au fin fond des zones les plus arides, des zones les plus montagneuses, des zones les plus abruptes, avec ces politiques de terroir. L'action publique rentre dans ces zones dans lesquelles elle n'arrivait pas à rentrer avec ses gros tracteurs. Par contre, les produits phytosanitaires, ils rentrent là, jusqu'au bout. Il y a juste les gros tracteurs qui ne rentrent pas. L'irrigation, goutte à goutte, tout ça, ça rentre. Ben, dans cette catégorie d'action publique, oui, on peut investir ou réinvestir des zones qui ont été marginalisées. Ce n'est pas uniquement une façon de faire rentrer des investisseurs, mais c'est aussi un moyen de faire rentrer des sociétés dans un système économique international. À partir du moment où on valorise, à travers des filières, des produits locaux, on entre dans des logiques, dans des raisonnements économiques, dans des raisonnements de marché. On entre en relation, quand on fait du safran de Tallouine, avec des acheteurs qui viennent de l'autre bout de la planète. Il y a quand on fait de l'huile de pépins de figue de Bavarie, il y a des investisseurs japonais qui viennent vous aider à faire du produit terroir. Là, on est dans une dimension, et ça en même pas 10 ans. Donc c'est quand même assez violent comme changement de monde. Ça peut être utilisé aussi par certains collectifs locaux, un petit peu au Maroc, de plus en plus, comme une réponse à des,
revendications qui n'arrivent pas à passer par d'autres canaux. Ça, c'est classique quand on s'intéresse aux savoirs locaux. On s'aperçoit que c'est souvent beaucoup plus facile de faire passer des revendications foncières, politiques, quand on est un représentant de population locale très peu écouté sur les scènes politiques nationales ou internationales. Si on arrive avec son savoir local, on est bien plus écouté. On détourne, mais on peut réinvestir ce champ de revendications politiques à travers des produits locaux et des savoirs locaux. Donc c'est aussi un élément stratégique de cette géopolitique internationale. Il y a énormément de coopérations internationales ou de coopérations décentralisées qui se sont occupées, qui ont aidé le plan Maroc Vert, pilier 2, à mettre en place toutes ces opérations de valorisation des produits de terroir. La région Aquitaine s'est mise, bah oui, sud-ouest de la France, donc sud-ouest du Maroc. Donc développement du safran, développement de l'huile d'argan. Les régions de montagne vont être plus dans les zones de montagne, il y a une espèce de mimétisme même au niveau de la géographie, mais l'Hérault aussi s'est pas mal investi dans des développements de ce genre. Donc un grand marché, quelque chose d'assez important au niveau des relations bilatérales. Donc comme les régions investissent avec toute la bonne, vraie ou fausse bonne volonté, mais en tout cas c'est ce qui est affiché, quand je viens leur faire une présentation comme ça, ils me disent « arrêtez de cracher dans la soupe, nous on a fait quelque chose de bien ». Donc il y a plein de choses qu'ils ne veulent pas voir, qui sont quand même des choses assez visibles, parce qu'ils ont fait une bonne action en développant du produit terroir, en développant des femmes, en développant des petits producteurs. Et puis, tout ça constitue malgré tout à la fois le cadre, le support d'un développement de tourisme rural qui est en plein essor au Maroc, parce qu'il y a une certaine désertion du tourisme balnéaire de masse, et une certaine désertion d'un tourisme qu'on a appelé culturel, mais qui visait uniquement ce qu'on appelle les cités impériales, les grandes villes. Donc aujourd'hui, une envie de certains touristes, de plus en plus nombreux, de découvrir les arrière-pays, à travers, entre autres, ce tourisme rural et les produits de l'agriculture. Ce concept de terroir, il est mis en avant pour argument de vente. C'est terroir, donc c'est bon. La pomme, elle est une pomme de terroir, elle est bonne. Elle est pleine de pesticides, on ne va pas le dire. C'est une pomme de terroir, elle est bonne. L'huile d'argan, c'est un produit de terroir, c'est bon. Donc il y a implicitement cette notion auprès du consommateur, de plus en plus du consommateur marocain, que puisque c'est un produit de terroir, c'est bon. C'est sain, c'est produit par le paysan du coin, donc ça va lui rapporter 3 sous dans sa petite poche, donc tout va bien. Le Maroc et dans de nombreux pays du Sud, c'est vraiment l'État qui fait cette sélection. J'ai un jour rencontré une jeune femme au salon de Slow Food à Milan, une jeune Marocaine qui venait du nord du Maroc, et qui vient me voir et qui me dit « Mais puisque vous travaillez sur ces démarches de terroir, allez leur dire, c'est-à-dire au ministère. » Et elle me raconte son histoire. Elle était relativement lettrée, retournée au village parce que j'imagine diplômée chômeuse, comme beaucoup de jeunes femmes. Et elle s'est dit « Mais qu'est-ce que je peux faire pour mon terroir, pour les gens, pour ma famille, pour les gens de mon village ? On a des bons produits. » Et dans nos bons produits, donc ils sont mis ensemble, ils se sont dit on a quoi ? Alors de l'huile d'olive, de grande qualité, comme toute l'huile d'olive du nord du Maroc, du miel, très bon miel, parce que là aussi, bénéficiant des forêts du Rif, essentiellement des arbousiers, hein, je vous rassure. Et donc, ils se sont mis ensemble, ils ont fait leur petite coopérative, qui n'était pas une coopérative, qui était une association au départ, ils ont défini leurs produits, ils ont défini leurs bonnes pratiques, ils ont fait leur cahier des charges. Et là, ils sont allés à la direction provinciale de l'agriculture en disant « Voilà, nous, on a tout fait. Maintenant, on a besoin de vous pour avoir le label, pour que vous nous aidiez à obtenir ce label. » Et là, on leur a réuni, on leur a dit « Non, mais vous avez fait ça tout seul, mais ça ne va pas. C'est quoi votre caution scientifique ? Qui c'est qui vous a dit de faire ça ? C'est quoi votre relation au niveau du ministère ou de la DPA ? Personne. Vous avez fait ça tout seul ? Vous retournez chez vous, c'est pas comme ça qu'on fait. Vous n'aurez pas de label. » Voilà, c'est... Là, ce n'est pas caricatural, hein. c'est une histoire vraie. La redéfinition des produits locaux, mais en vue de la modernisation du monde rural. Et ça, c'est important, c'est-à-dire que, on le voit pour la pomme, on le voit pour tout, ces systèmes de culture locaux, ils glissent d'un modèle qui était un modèle de gestion du risque, comme tous les modèles agricoles locaux non modernisés, vers un modèle qui est plus intensif, qui est plus capitaliste et donc qui est beaucoup plus fragile.
Et c'est très compliqué aujourd'hui de se fragiliser alors que ben, y a de moins en moins de pluie, il fait de plus en plus chaud. Quand il y a des aléas climatiques, ils sont de plus en plus violents. Les épisodes de ce printemps au Maroc l'ont bien montré. Quand il pleut, il pleut. Et quand il pleut trop. Voilà. Enfin bref. Donc plus de système, ce système traditionnel de gestion du risque et de l'aléa climatique est en train d'être complètement dépassé par la modernisation au nom des produits de terroir. Donc une augmentation de la vulnérabilité de ces populations. Et puis, voilà, par exemple sur les dates, là on est dans de véritables monopoles, on est dans du produit terroir, il y a 5 IGP sur les dates. Où est-ce qu'on cultive les dates? Évidemment plus dans l'Oasis. Ah non, parce que c'est pas assez rentable, donc on cultive les dates aujourd'hui en bordure de l'Oasis, dans des grandes plantations de dattiers, de produits terroirs, hein, qui vont pomper dans la nappe phréatique. Et le dattier, tout le monde le sait, est un arbre qui a besoin d'énormément d'eau. Voilà, et puis cette agriculture de terroir, on lui dit, c'est ça, c'est le modèle capitaliste, il faut investir, il faut être rentable. Et le ministre l'a bien dit, il ne s'intéresse pas. Il ne s'intéresse au niveau des produits terroirs comme au niveau du reste, il ne s'intéresse qu'aux produits à haute valeur ajoutée. Le safran, l'huile d'argan, il y en a quelques-uns comme ça. Les autres, aucun investissement puisque ce ne sera pas rentable. Donc, il faut chercher le produit qui va vous permettre de faire de la haute valeur ajoutée. Ça devient parfois un petit peu compliqué. Donc, tout ce qui est valeur patrimoniale, on oublie. Ça ne rapporte pas. On va le mettre en avant hein, dans les communications, mais en vrai, comme diraient les enfants, ça ne marche pas. Il s'agit de professionnaliser ces gens qui étaient des agro-silvopasteurs. On va en faire des producteurs d'huile d'argan, ou des producteurs de safran, ou des producteurs de pommes. Hein, des entrepreneurs agricoles, comme on a fait chez nous, donc c'est fini, là, même la notion d'agriculteur s'efface. Donc, professionnaliser à travers des instruments qui sont des instruments d'ingénierie sociale, les coopératives, si vous voulez de l'aide, coopérative. Les associations, ça ne marche pas, les coopératives, ça marche. Les coopératives, c'est trop petit, donc on va faire des GUE, groupements d'intérêt économique, qui vont regrouper des coopératives et des investisseurs privés, qui, évidemment, n'ont pas la même capacité à négocier. Le président de la coopérative va être le président de la plus grosse firme. On a vu ça sur la rose de Kelangkuna. Il y a un GIE. Le président du GIE, c'est le président de l'usine Arôme du Maroc, qui est une usine qui dépend du Palais Royal. Et tous les producteurs de roses, ils s'écrasent, ils n'ont rien à dire. Donc ça, c'est un modèle social où on remplace les instances de délibération traditionnelles par ces coopératives et ces GUE, on organise les producteurs autour d'investisseurs qui vont leur dire ce qu'il faut faire, et ils vont leur dire, là, ton produit je le prends pas, enfin on entre dans un modèle à la fois social et économique tout à fait dont on a l'habitude, et puis on est en train de casser tout ce qui était gestion collective, donc les communs au niveau des terres, au niveau de ces institutions collectives qui s'appellent les JMAA, qui géraient le commun, tout ça est en train d'être cassé à travers ces politiques de terroir. Politiques de terroir et dans ces projets que développe le terroir, que développent ces politiques, quel modèle de production, on l'a vu, modèle de production capitaliste, intensif, et avec de plus en plus d'intrants. Modèle économique. Là aussi, bon, capitalisme, un modèle qui est un modèle de développement de filière et pas du tout de développement territorial, qui est un modèle qui met en avant le tourisme, pour l'instant, le tourisme, avec une petite dérive vers le tourisme solidaire, mais qui n'est pas majoritaire. Ce modèle social, je viens de vous en parler. Que devient la gestion bien commun? Qu'est-ce qu'on va dire sur cette captation des terres collectives? C'est massif, hein, c'est de l'accaparement des terres par les investisseurs qui viennent faire du dattier, du pommier ou d'autres choses. L'intégration de ces arrière-pays à l'économie de marché capitaliste. Et derrière ces politiques du plan Maroc vert, développement solidaire de la petite agriculture, développement de la femme, réduction de la pauvreté, on voit les terroirs comme la dernière frontière de cette modernisation agricole capitaliste. Avec les moyens du bord, hein, on ne peut pas faire de grandes serres de production de fraises, d'agrumes, de bananes en pleine montagne. Mais on peut faire ça, on peut introduire. C'est vraiment la dernière frontière pour les investisseurs, pour les vendeurs d'engrais, pour les vendeurs de crédit, pour tout ça.
Et ça représente énormément de personnes, je vous ai dit, 80% des ménages ruraux. Ça, c'est une super frontière. Question sur les agriculteurs qui sont les petits producteurs qui sont regroupés autour de ces agrégateurs. Les moins dotés en terre, les moins dotés en capital intellectuel, ceux qui ne savent même pas parler arabe, qui ne parlent que amazigh. Bon. Fournisseurs de matières premières pour les autres qui vont justement s'accaparer l'essentiel des bénéfices. En tout cas, sur l'argan, c'est très flagrant. Est-ce que c'est un affichage? On l'a vu, il y a énormément de communication. Ces très beaux catalogues que je vous ai montrés de produits de terroir, c'est pas pour le Pékin marocain, c'est vraiment pour montrer, pour mettre sur les tables quand on vient au Salon international de l'agriculture en France ou quand il y a le Salon international de l'agriculture à Meknès, on offre ça. On offre ça en particulier aux pays africains, en leur disant, regardez, nous on sait faire, on va venir vous montrer. Les pays africains subsahariens. On fait ça, il y a eu des très beaux, très belles choses, un très bel atlas de l'organier qui a été fait. C'est pas un mot sur les pratiques locales, bien évidemment. Alors, bon, tout ça ayant été dit, ce qu'on oppose en général à cette analyse très critique, je le reconnais, des dynamiques de terroir au sud, c'est... Et les Marocains en particulier me disent, mais c'est facile de critiquer. Vous avez 50 ans de développement des produits de terroir derrière vous. Nous, même pas 10. Donc, arrêtez de critiquer. Nous n'en sommes qu'au début. C'est recevable. À mon avis, c'est mal engagé, mais c'est recevable. Parce que la façon dont ça s'est engagé au nord de la Méditerranée n'était pas du tout la même. C'est des collectifs locaux qui se sont emparés de leurs produits, qui ont dit, celui-là, on veut le préserver, on veut le valoriser, on négocie ensemble. Une IGP en France, la fabrication d'un cahier des charges, c'est 10 ans, c'est 15 ans. Sur le miel au Maroc, ça a duré 15 ans. Au Maroc, c'est 10 mois, de plus en plus court, 6 mois. On fait un cahier des charges, il est déjà fait, enfin, il n'y a rien dans le cahier des charges. Donc on est sur des démarches qui n'ont rien à voir l'une avec l'autre. C'est pour ça de dire, bon, laissez-nous le temps d'eux. Ok. Peut-être que justement, ça va donner des idées aux collectifs locaux. Peut-être qu'un jour, ils seront suffisamment puissants pour que ce qui est arrivé à la petite dame que j'ai rencontrée au Salon Slow Food ne se reproduise pas. C'est-à-dire qu'il y ait des collectifs locaux qui disent « Nous, on a un produit, on veut le développer, on va se faire aider. » Peut-être, oui, pourquoi pas. En tout cas, il y a énormément de choses qui se passent dans les campagnes marocaines, dans les arrière-pays marocains, qui devraient faire bouger les lignes de force entre ce qui vient d'en haut, ce qui vient d'en bas. Est-ce que les produits de terroir sont là-dedans ou pas? Je ne sais pas. Effectivement, on est dans une dynamique encore jeune, mal embranchée à mon avis, mais on ne sait pas où elle peut aller. Le printemps arabe a bien montré que prédire l'avenir, c'était très difficile. Voilà, je vous remercie. Après, il y a un peu tout ça dans ce livre-là qui est en démonstration quelque part sur la table et que vous pouvez vous procurer aux éditions de l'IRD. C'est un livre donc, qui a été coécrit avec les chercheurs et les doctorants du projet. Là, c'est uniquement sur le Maroc. Des analyses et je vous remercie.